Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dimanche le 29 janvier, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire. Dans la première lecture tirée du livre de Sophonie, Sophonie promet aux exilés d'Israël qu'ils trouveront à nouveau la paix et le contentement grâce à la fidélité du Seigneur. Paul, dans la deuxième lecture, rappelle à ses lecteurs que Dieu ne choisit pas seulement les sages et les puissants. Au lieu de cela, il choisit les faibles et les pauvres, leur donnant force et sagesse en Christ. Dans l'Évangile, Jésus commence son sermon sur la montagne en enseignant que ceux qui sont considérés comme moins fortunés aux yeux du monde seront bénis incommensurablement par Dieu. Chers fidèles du Christ, notre Dieu est un Dieu de surprise. Même fois, les Écritures montrent clairement que Dieu juge selon des normes très différentes de celles du monde. Comme le prophète Isaïe l'a enseigné, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Dans notre culture axée sur la célébrité, les gens recherchent la gloire, la richesse et le pouvoir. Les gens aspirent et célèbrent la notoriété momentanée, comme des sensations virales. Ceux qui ne respectent pas les normes mondiales sont ignorés, méprisés ou blâmés pour leur situation. Mais aujourd'hui, Jésus enseigne d'une manière différente. Il élève ceux qui sont humbles, pauvres, en deuil et persécutés, promettant qu'ils trouveraient la joie en Dieu. Mes chers frères et sœurs, la vie nous donne beaucoup à penser. La vie est pleine de difficultés. La vie est pleine d'injustices, surtout quand nous choisissons à suivre le pas de Jésus-Christ, parce que c'est le pas qui n'est pas trop fréquenté. Si nous avons choisi de fréquenter, de suivre le pas de Jésus-Christ, nous allons sûrement avoir les difficultés, les persécutions. Mais nous ne devons pas être découragés parce que
nous savons comment Jésus nous a promis dans l'évangile d'aujourd'hui, notre récompense est grande dans les cieux. Que le Seigneur nous donne la grâce de voir le monde, nos prochains, à travers ses yeux et apporte ce qui lui-même devait apporter au monde d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.